Délina présente. Un peu de fantaisie musicale les mardis soirs. Pour cause de Covid, nous sommes peu nombreux avec les retraités avec qui je travaille. Et notre chef ce soir a décidé de nous préparer quelques petits exercices qui sont les suivants. Les virelangues. Doit-on dire 16 sèches chaises ou bien 16 chaises sèches? Ouh, je recommence. Doit-on dire 16 sèches chaises ou bien 16 chaises sèches? J'espère que ça sera mieux la semaine prochaine. Un peu plus loin, nous avons eu ces saucissons si sont si secs qu'on ne sait si s'en sont. Après, nous avons eu que Lili sous ces lilas-là. Lili, Liliade. On va voir si la semaine prochaine je serai capable de faire un peu mieux. Un exercice assez rigolo. C'était se dire certaines phrases avec une intention. Ce qu'il y a de mieux dans la bière, c'est quand on la pisse. Ça fait du bien de pisser. Tu ne penses pas? Dormir aussi, ça fait du bien. J'aimerais beaucoup dormir, moi, pour ma part, en ce moment. Voilà, c'était des exercices de diction, d'intention, en tout cas, de tentative d'intention. Et nous avons fait quelques exercices de déplacement qui vont être durs à représenter ici ce soir. Et sinon, vous connaissez l'exercice du pan-lapin. Alors, vous regardez tout droit quelqu'un dans les yeux et vous dites... Lapin. La personne doit faire le lapin. Et ensuite, il y a les personnes d'à côté de cette personne-là. Donc, la personne qui est à côté, du plus proche du lapin, doit lever la bonne oreille. Donc, la personne qui est là, elle doit faire ça. La personne qui est là, elle doit faire ça. Et donc il faut se concentrer et le faire de plus en plus rapidement. Et à chaque fois on désigne une nouvelle personne. Et parfois, si on désigne la personne qui est à côté, il ne faut pas oublier de lever la bonne oreille. Voilà, c'était les exercices de la fantaisie musicale du mardi soir, en espérant que nous reprenions quelques chansons. À bientôt peut-être !